C'est vrai? Pas de stries. Y a pas de stries? Comment ça se fait, ça? Là, je sais pas. Y a plein de raisons possibles. Alors? Une balle de calibre 223 sans stries. 223? En utilisant du calibre 223, le tireur pouvait être à 100 mètres de sa cible sans forcer? Je vais plonger pour jeter un coup d'œil. Je prends les rochers et toi, tu prends les marécages. Pas avec mes chaussures neuves. Ouais, mais moi, je fais une allergie à la boue. Ok, tu prends les marécages, je prends les rochers. D'accord. Méchante chute à roller sur la piste. Quoi, comme dans ces vieux films avec Raquel Welch? Un vrai match de roller derby, tu vas halluciner. T'as jamais vu un match de roller derby, toi? Non, je suis pas monté sur des rollers depuis le collège. Ah, t'as raté un truc énorme. Mais j'avais moins de muscles à l'époque. Et je te préviens, ces filles-là sont de sacrés morceaux. Ah, c'est pas une bande de gamines en patins à roulettes qui va me faire peur. Vous allez nous faire poireauter encore longtemps avec ces boudins? Je peux pas vous dire. C'est qui que tu traites de boudin, hein? C'est pas à toi que je parle, Spice. J'en ai rien à foutre. Espèce de brute. Oh la vache, elles sont aussi flippantes que sexy. Je l'avais dit. C'est dingue. C'est toi, je suis seule, c'est toi qui as été. Pourquoi tu l'as fait ta gorge? C'est toi, Spice, c'est derby. Elles ont bien aimé ça, ce corps. S'il faut faire quelque chose, calmez-vous, mesdemoiselles. Ce roller derby n'est pas un sport de gentleman, mais le cas. Venez, je dois vous parler. Dépêchez-vous d'appeler une patrouille en renfort pour limiter l'accès à la zone. Et dites à ce type de la bouquet. Par ici, trace de sang. La viande? Oui, on dirait une tranche de steak. Ça pourrait être un appât. Attention! Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Allez, allez, courage! Nos chances de trouver quelque chose de probant, ça me nuise. Et en plus, je commence à entendre des drôles de bruits. Je suis pas rassuré. C'est normal, Ryan. Ça s'appelle la vie sauvage. Tu dis ça comme si ma réaction était démesurée. Mais j'ai eu des mauvaises expériences avec des ours et des alligators. Non, franchement, la vie sauvage et moi, ça fait deux. Tu m'entends? Natalia, t'es là? Oui, tu peux me rejoindre, s'il te plaît? Il n'y a pas que les animaux qui montent aux arbres. Je viens de découvrir le perchoir d'un chasseur. C'est la meilleure vue à vol d'oiseau sur la scène de crime. C'était pas un accident, c'était intentionnel. Ce sont des hommes qui chassent d'autres hommes, c'est atroce. Cette arme peut être redoutable. Attends deux secondes. Ah, c'est immonde. Ah, tu comprends pourquoi j'aime pas la vie sauvage? J'avais une sangsue sur la jambe. Dégoûtant. Ah, super. C'est un petit cadeau pour moi. Ouais, c'est la douille du calibre 25 qu'on a réussi à sauver. Et le problème, c'est que le numéro de série a été effacé. Ryan, ça me gêne un peu de te dire ça, mais... Tu sens pas bon. C'est vrai? En fait, j'ai été arrosé pendant 20 minutes par de l'eau d'une bouche d'incendie. La bouche d'incendie était rose? Ouais. Il faut que je me change. Vas-y tout de suite. Désolé.
J'ai pas pu m'empêcher de vous remarquer. Vous êtes si jolie, mais vous avez l'air toute triste, ça va? Oh, dire que je pensais que j'arrivais bien à le cacher. Désolé de vous dire ça, mais en fait, vous le cachez très mal. Je m'appelle Ryan. Et moi, Kate. Kate, enchantée. Qu'est-ce qui vous chagrine? Les histoires tristes sont interdites ici. Je crois que parfois, quand on partage une histoire triste, ça nous aide à nous rapprocher de l'autre. Ça, c'est ce que j'appelle du baratin facile. Oh, mais j'en ai d'autres. Attention, celle-là est encore pire que la précédente. Je paye pour entendre. D'accord. J'ai perdu un ami très proche aujourd'hui. Pardon, désolé. Oui. Mais vous faites la fête malgré tout. Eh bien, disons que je n'ai pas vraiment eu le choix. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien, c'est compliqué, c'est tout. Je vois. Tâchez de ne rien dire, d'accord? Bien sûr. Devinez quoi? Quoi? J'aurais pu prédire que vous rencontreriez tous les deux. Ah. Ça se passe bien? Oui. Très bien, elle est charmante. Pourquoi ne pas emmener Monsieur Durbin dans un endroit plus tranquille pour faire connaissance? J'allais justement le faire. Ryan, qu'est-ce que vous en dites? Oui, j'aimerais beaucoup. Venez. D'accord. Encore 9 minutes, Horatio. 9 minutes. Kate. Ça va? Kate, je croyais qu'on était là pour discuter. Ici, c'est inutile de faire semblant. Vous faites ce que vous voulez, tant que vous payez. Attendez une seconde, vous êtes sérieuse? Je vous en prie, pas de marche arrière. Nichols m'en voudrait. Non, vous allez trop vite. Non, remettez ça. Je trouve que vous allez un petit peu vite. D'accord, pour moi. Mais vous ne vous plaindrez pas à Nichols, alors? Kate, tu calmes, je ne me plaindrai pas à Nichols. C'est lui votre entremetteur. Je préfère le terme agent de rencontre. D'accord. Écoutez, je suis désolé, c'est dingue. Je sais pas ce qui m'a pris. Ça suffit, ça? Ça ira. Beaucoup de mecs sont nerveux la première fois. Si vous voulez, on n'a qu'à discuter un peu. D'accord. Détendez-vous. Un autre verre? Oui, en fait... Je vais chercher une bouteille de vin.